Depuis une semaine, peut-être vous avez vu sur RTV ou CBC ou dans les nouvelles, c'est pas ce que je fais normalement. Je représente un organisme communautaire qui ne reçoit pas d'argent du gouvernement et nous faisons le dossier de parrainage privé auprès de la réunification familiale. Tous nos dossiers, c'est des gens syriens ici ou des Congolais ou des Rwandais qui veulent faire vivre le nom de leur famille qui sont réfugiés en quelque part dans le monde. Il y a des délais qui sont très longs. Nous sommes heureux que les gens qui sont au Liban ou en Jordanie viennent vite. Mais il y a d'autres dossiers qui peuvent prendre 6 ans. Donc, il faut que le gouvernement essaie de faire plus pour les faire venir plus vite et de faire que le processus soit moins long. De plus, je veux dire merci à tous les gens au Québec. Depuis une semaine, j'ai parlé à des gens à Berthierville, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Gatineau. Les gens nous appellent, ils veulent faire quelque chose. Ils nous ont trouvé, je ne sais pas pourquoi, comment, mais il y a une générosité évidente ici au Québec et c'est notre devoir maintenant de trouver une façon de prendre cette générosité-là pour matcher avec les centaines, peut-être des milliers de gens qui veulent faire venir les membres de la famille au Québec. Merci. Merci.